Gangnam Style. Gangnam Style. Petite île paisible et mélancolique au large de la Corée du Sud, Jeju abrite presque toutes les poulinières pur sang de cette nation asiatique riche mais méconnue. Alors que les courses y ont été introduites voici bientôt un siècle, alors par l'occupant japonais, le pays du matin calme ne s'est lancé que récemment dans son propre élevage, par la volonté d'un gouvernement toujours très autoritaire. D'où la construction de toutes pièces sur un territoire isolé en retard économique de Let's Run Park, ara national fait pour encourager le développement d'une activité nouvelle et rare dans cette partie du monde. We are here in Jeju Island. Nous sommes ici sur l'île de Jeju, au sud de la Corée. Let's Run Park est un domaine national de 200 hectares que la Korean Racing Association a construit en 1991 afin d'encourager et de supporter l'élevage de chevaux de course dans le pays. À cette époque, nous avions déjà des courses en Corée, bien sûr, mais pas de pur sang né et élevé sur place. Les partants étaient tous importés. On a donc changé de système depuis 25 ans. Et aujourd'hui, il y a 70% de partants locaux dans les courses et 30% continuent d'être importés. L'île de Jeju, qui est volcanique, a été choisie car elle était déjà le site le plus important pour l'élevage de nos chevaux traditionnels, et ce depuis 500 ans. Actuellement, nous avons 2300 poulinières en Corée et 1300 poulains déclarés tous les ans. Il y a 70 étalons sur l'île de Jeju. Comme le hara de Let's Run Park a été fait pour soutenir l'élevage national, ce domaine a trois fonctions principales. La première est bien sûr l'étalonnage, la deuxième est le pré-entraînement des purs sang et la troisième est la clinique équine. Donc, ici, nous avons 10 étalons et 500 box pour les poulains en débourrage pré-entraînement. Nous avons aussi le ring de vente. Il y a plusieurs grandes sessions de vente en mars, en juin et en septembre. Et il y a plus de 100 personnes qui travaillent ici au total. Notre système de course est un mélange d'entre l'Amérique et le Japon. Au départ, nous étions surtout influencés par le Japon, mais nous changeons et nous nous basons essentiellement sur des étalons américains aujourd'hui. En Corée, nous n'avons pas de piste en gazon, ni de longue distance. Ce sont des éléments essentiels pour le choix de nos étalons. On achète aussi des poulinières aux États-Unis ou alors en Australie. Selon notre situation économique, 200 à 300 nouvelles juments sont importées tous les ans en Corée du Sud par les éleveurs privés. Ici en Corée, notre étalon vedette est de loin Menifi. Tous les produits de Menifi se vendent au moins 100 000 dollars sur les rings. Son prix de saillie est très particulier car il appartient à la Korean Racing Association. Je vous explique. Menifi, qui a 20 ans, saillit 70 à 75 juments par an. 85% des saillies sont gratuites et seulement 15% sont payantes, à un prix très peu cher, celui de 7 500 $. Comme nous supportons l'élevage national, nous proposons un tirage au sort pour les saillies gratuites parmi une sélection de poulinières et il y a plus de 2000 inscriptions tous les ans.